أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers, et paix et bénédiction sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, chers sœurs, on vous souhaite la bienvenue à votre émission préférée, Sungalo Wajuli, si votre chaîne préférée thème 1 dans ces mois bénis de Ramadan. Un mois de miséricorde, un mois de pardon, un mois de repentir. Aujourd'hui, nous allons aborder le Ramadan est la pratique de l'hygiène. L'islam est une religion qui recommande aux musulmans de respecter les règles d'hygiène, car dans les chapitres de la jurisprudence en islam, on commence toujours avec le chapitre At-Tahara, la purification, pour dire que le musulman doit respecter les règles d'hygiène, doit chercher à être propre et à purifier son cœur, qui est la purification interne, et purifier aussi son corps et ses habillements et ses lieux de culte. Aucune adoration n'est possible sans la purification. Dans ces mois bénis de Ramadan, qui est aussi un mois d'adoration, le musulman doit s'efforcer à respecter ses règles d'hygiène. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans les cinq Corans, Inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il aime les gens qui se repentent, qui purifient leur cœur, et aussi il aime les gens qui se purifient, qui purifient leur corps. Donc dans ces mois bénis de Ramadan, il y a un certain nombre de choses, règles d'hygiène que nous devons essayer de respecter. Au moment où on se réveille pour faire prendre le suhoor, c'est un moment de réveil où on se réveille du sommeil. L'islam nous recommande au moment où on se réveille, avant de toucher un objet, de nettoyer tout d'abord nos mains, proprement dit. Ça, c'est une tradition prophétique. Car le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, quand on dort, on ne sait pas là où notre main va passer. Donc l'islam nous recommande à un musulman, quand il te réveille, de laver d'abord tes mains proprement et ensuite commencer les autres activités. Durant les mois bénis de Ramadan, il arrive que nous prenons le suhoor. Donc quand on se réveille, certains immédiatement vont aller à la boutique pour acheter du pain et ils touchent ça avec leurs mains et cela peut être source de contamination. Donc, quand on se réveille en tant que musulman, l'islam nous recommande de laver nos mains proprement 3 fois et aussi de mettre de l'eau dans le nez et de repousser le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam. Cela permet d'avoir le courage pendant la journée. Donc, chers frères et sœurs, ensuite, nous devons prendre le réveillon. Le prophète nous recommande de laver nos mains avant de manger, qui est aussi des règles qui est reconnue par les spécialistes à la matière. Donc, nous devons prendre soin de laver nos mains et avant de manger. Et quand on termine aussi, de laver nos mains. Pendant les mois bénis de Ramadan, et quand on prend le réveillon, il arrive que les restants des aliments vont rester dans notre bouche de façon logique. Donc, il est souhaitable au début du jeûne, avant 5h30, d'utiliser des broches de dents avec des pâtes. Là, c'est possible pour nettoyer ta bouche et enlever les restants des aliments et aussi peut-être rendre cette bouche, n'est-ce pas, propre pour pouvoir rentrer dans la prière ou faire la prière de façon correcte. Et quand on n'a pas de broche à dents, on peut utiliser des cure-dents. Donc cela est possible au début de la journée.
Pendant la journée, quand on est en jeûne, on peut utiliser des broches simples sans mettre de pâte. Et quand on met des pâtes, il y a des risques que cela puisse descendre dans la gorge. Cela peut rompre le jeûne. Donc, pendant la journée, on peut utiliser des broches simples et aussi ou des cure-dents pour ceux qui ne disposent pas de broches à dents pour, n'est-ce pas, nettoyer notre bouche. Cela est extrêmement important car quand on est en jeûne, ils arrivent par le fait que l'instinct est vidé des aliments, que les odeurs se dégagent et qui sortent de la bouche du jeûneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que l'odeur qui sort de la bouche du jeûneur est aimée auprès de Dieu plus que l'odeur du misc, n'est-ce pas, qui est le parfum du paradis, qu'Allah nous accorde cela. Mais cela ne veut pas dire que le musulman doit être négligent en laissant ses odeurs, n'est-ce pas, couler avec lui ou peut-être qui peut déranger ses voisins quand il est en jeûne. Et cela est extrêmement important, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui consomme de l'ail ou qui consomme autre chose qui dégage des odeurs, qui ne s'approche pas de son lieu de prière, c'est-à-dire de la mosquée. Ça veut dire quand tu t'arrêtes avec tes frères pour prier, ces odeurs peuvent les déranger. Donc, celui qui laisse ces odeurs dans sa bouche peut déranger les gens, ses voisins qui sont avec lui dans les safs pour la prière. Donc nous devons tenir compte de cela. Et ce mérite a été dit par Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour nous dire à tel point qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il aime le jeûne, il veut, n'est-ce pas, tout ce que le jeûneur aura comme des efforts ou des sacrifices et des odeurs qui vont sortir. Que cela aussi est aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais cela ne veut pas dire que nous devons laisser, n'est-ce pas, ces odeurs avec nous pour déranger les gens qui sont autour de nous. Ensuite, quand on est en jeûne, nous devons tenir compte de, il y a certains, quand ils sont en jeûne, ils ne font que peut-être cracher de gauche à droite. C'est tout à fait naturel que des salives, n'est-ce pas, se dégagent dans la bouche de l'homme. Mais si cela arrive, il faut immédiatement avaler. Et certains pensent que ces salives-là peuvent couper leur jeûne. Donc ils font que chaque fois, ils font que cracher pour dégager ces salives de leur bouche. Non, il faut immédiatement avaler. Ne laisse pas que ça s'entache dans ta bouche et mette partout des saletés de gauche à droite. Cela est déconseillé. Nous devons prendre ces mesures en compte quand on est en jeûne. Donc, il y a certains, quand ils sont en jeûne, tu vois que tout leur entourage, ils ne font que cracher de gauche à droite ou chercher des sables ou des boîtes de sable ou de. Non, les salives ne gâtent pas le jeûne. Il faut immédiatement avaler et continuer le jeûne. Même quand tu remplis la bouche avec des salives, tu avales, ça n'annule pas ton jeûne. Ton jeûne reste valable. Donc, il faut immédiatement avaler cela. Nous devons tenir compte de certaines règles au moment de rupture de jeûne. Nous devons faire de telle sorte que nous rompons le jeûne à des endroits qui sont propres, qui sont bien aménagés. Les ustensiles qu'on utilise doivent être propres. De la même manière, nous devons tout faire après la rupture, d'arranger les ustensiles dans la maison ou peut-être dans la mosquée. Cela est extrêmement important. Nous devons éviter les gaspillages et nous devons éviter que ces aliments soient conservés dans les conditions qui peuvent amener peut-être des contaminations que Dieu nous préserve. Donc, chers frères et sœurs, dans nos mosquées aussi, nous devons tenir compte de l'hygiène dans les endroits de l'ablution. Nos toilettes, nous devons tout faire pour les rendre propres. Nous devons tout faire pour désinfecter ces toilettes. Si de façon journalière, si c'est possible, ou chaque 2 jours en mettant l'eau du Javel. Et les bouillards que les gens utilisent, il arrive que plusieurs personnes utilisent au même moment, et nous devons aussi tenir compte de l'hygiène de ces bouillards,
pour que ça soit pas de source de contamination. L'islam nous recommande l'hygiène, l'islam nous recommande la propriété, et nous devons tout faire pour avoir cela, car le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, An-nazafatu shatrul iman. Il dit, l'hygiène et la propriété font partie de la moitié de la foi, représentent la moitié de la foi. Cela veut dire que quand on a la foi, quand on croit à Allah subhanahu wa ta'ala, nous devons respecter ces règles d'hygiène, car tu dois communiquer avec Dieu, il faut communiquer à Dieu, nous avons le respect envers lui, il faut de bonnes odeurs, il faut nettoyer la bouche, il faut nettoyer tes habits, et il faut aussi le lieu de prière soit en état de propriété pour pouvoir communiquer avec Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah exauce nos voeux, qui accepte nos actes d'adoration. Mes frères et sœurs, ceux qui ont des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à nous envoyer sur le numéro qui est en bas de votre petit écran. Qu'Allah nous accorde la baraka de ce mois béni de Ramadan. Wa jazakumullahu khayran, wa barakallahu fikum, wa ahsanallahu ilaykum.